Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, la recette du mug cake au spéculoos. Pour ceci, nous avons besoin d'une cuillère à café, d'un mug ou deux. Les ingrédients pour un mug cake, c'est un œuf, 5 à 6 biscuits spéculoos, tout dépend de la taille de vos biscuits. 5 cuillères à café de farine, 3 cuillères à café d'huile végétale, 3 cuillères à café de sucre en poudre, 2 cuillères à café de lait. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, on va prendre un mug, on va y mettre 5-6 de nos biscuits spéculoos dans chacun de nos mugs. Avec notre cuillère, on va écraser nos biscuits. Après avoir écrasé nos biscuits, on va ajouter nos 5 cuillères à café de farine par-dessus. Puis, on va ajouter nos 3 cuillères à café de sucre. On va mélanger tous les ingrédients secs dans notre mug. Ensuite, on va ajouter nos 2 cuillères à café de lait et on va ajouter nos 3 cuillères à café d'huile végétale. Avec notre cuillère, on mélange le tout. Ensuite, on va prendre notre œuf, le casser et le mettre entier directement dans notre mug. Puis, avec notre cuillère, on va percer le jaune, bien sûr, et mélanger le tout. Alors, très important, on racle bien le fond du mug avec la cuillère, parce qu'il y a souvent de la farine coincée au fond, comme cela. Et on essaye de dissoudre un petit peu les biscuits de spéculoos, on peut en laisser quelques petits morceaux pour que ça soit plus crunchy. Une fois qu'on a une pâte à peu près comme celle-ci, avec des petits morceaux dedans, hein, c'est comme vous aimez, on va passer nos mugs au micro-ondes, 1 minute 30, 1 minute 40. Après leur sortie du micro-ondes, on va laisser nos mug cakes au spéculoos refroidir 3-4 minutes avant de les déguster. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus. Sur ce, bon appétit et à bientôt sur Recette Pavette.